Salut Petit Bois Ben oui Ouais, je te demande pas comment ça va. Hein. Euh, tu sais quoi, c'est prévu, là, Petit Bois, aujourd'hui. On va faire une partie du jeu de rôle « Seigneur des Anneaux ». Ouais, je t'ai pas consulté, mais je pense que ça va te plaire. Hein. Euh, bon, bah, j'ai tout prévu. J'ai tout prévu pour qu'il y ait une partie vraiment fluide et tout, euh, qui se passe vraiment bien. Ouais, alors, donc, grosso modo, bon, bah, déjà, tu vas jouer Gollum. Ça me semble plus facile par rapport à ton QI. Et, euh, bon, bah, voilà, j'ai prévu qu'il y a un moment, il y a une scène, tu vas rencontrer un troll, et puis, bah, tu vas faire un 1 naturel, euh, bien, pour te défendre. Bon, bah, du coup, j'ai prévu que tu perdais 30 points de vie. Eh ben oui et puis euh, ensuite, euh, voilà, tu euh, es amené dans une euh, léproserie pour, euh, bah, pour, un petit peu te remettre de tes blessures. Mais oui Et bon, bah, là, normalement, euh, c'est à ce moment-là que tu vas contracter euh, des maladies contagieuses. Mais oui Et puis euh, ensuite, euh, eh bien, la, de toute façon, la léproserie, bah, sera attaquée par euh, les troupes de Sauron. Et, euh, et voilà et puis euh, comment dire euh, ensuite tu vas avoir une liaison perverse narcissique euh, eh bien avec un orc voilà et euh, franchement euh, j'ai tout euh, je, euh, voilà. et je pense que ça finira euh, comme ça et vous aurez plein de petits trolls ensemble et voilà et c'est super hein, bien rythmé cette partie et tout tout va bien se passer Salut messieurs, mesdames, personnes non binaires, euh, voilà. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler un petit peu euh, de démocratie. On va parler de démocratie, euh, mais pour en dire euh, du mal, parce que de nos jours, il y a trop de démocratie. Il y en a beaucoup trop, et donc euh, je suis là pour y remédier. En fait, grosso modo, le sujet de la part euh, de cette euh, voilà, le sujet de cette euh, vidéo, c'est pour parler euh, de maîtrise euh, de jeu de rôle et grosso modo de fluidité de partie. Donc, on va se demander en fait si, eh bien, si on va avoir une partie fluide euh, et ça euh, pour euh, le plaisir de tout le monde, hein, pas uniquement du MJ, si on va avoir une partie, voilà, qui euh, qui se déroule vite et eh bien, euh, est-ce que la démocratie, ça serait pas un frein C'est-à-dire euh, quand je parle de démocratie, euh, c'est pas euh, le fait euh, qu'on puisse faire euh, des référendums, des initiatives citoyennes, euh, hein, ce genre de choses. Hein. <laughs> euh, voilà, parce que ça, c'est même plus de la démocratie, c'est de l'utopie. <laughs> euh, non, non, c'est euh, euh, c'est euh, la démocratie au sein de la table de jeu de rôle, c'est-à-dire pour euh, bon évidemment euh, grosso modo prendre des décisions en commun quoi est-ce que prendre des décisions en commun euh, c'est-à-dire MJ joueur à la table de jeu ça, ça serait pas ça nuirait pas en fait à la fluidité d'une partie alors je vais essayer de m'expliquer un petit peu et tout parce que là comme ça c'est un peu bizarre que je suis pas il T'es contre la démocratie, mais dis donc <laughs> tu n'es pas une bonne personne. Non, ça, vous allez voir que c'est un peu plus euh, évidemment nuancé que ça. Euh, grosso modo, bon, le, le rythme d'une partie, que ce soit le, le rythme euh, au niveau de la. De, comment au niveau de la fiction, c'est-à-dire euh, voilà, qu'il se passe beaucoup de choses de, durant une partie et euh, voilà, dans, dans, avec, euh, avec aussi, euh, quelque part, euh, une alternance harmonieuse de, de plein et de vide, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses dans une partie, mais avec une alternance de, de péripéties effrénées et, euh, et de temps un peu plus posé, contemplatif. Euh, le rythme d'une partie, tout comme euh, le rythme euh, au niveau de, du méta, c'est-à-dire que, c'est qu que, que ce soit entre guillemets également maîtrisé, c'est-à-dire que oui, on peut parler en, en méta jeu, en hors-jeu, euh, et, euh, et, et se calibrer, euh, et ça fait partie du jeu, il n'y a pas de souci, enfin c'est important, et en même temps on ne le fait pas trop, c'est-à-dire ça ça ne, ça ne plombe, enfin, ça, ça ne, ça ne flingue pas la, la, soirée, parce que, en fait, on a, on a pas la moitié du temps, on a parlé hors jeu, quoi. Donc, le rythme de la partie, que sa fiction comme méta. Cette phrase est vraiment très longue. <laughs> C'est une de mes marottes. Donc, je te renverrai un, un de mes articles qui s'appelle euh, "La gestion du rythme et du temps en jeu de rôle". Voilà, euh, Désolé, j'ai des termes manageriaux alors que, oh, je faisais, bon, vu ma situation professionnelle, je suis pas du tout légitime pour parler de management <laughs> parce que euh, j'ai personne à manager et en plus euh, je suis hyper pauvre. Voilà. Donc, euh, le capitalisme et moi, ça fait quand même deux. Euh, il y a même pas de pub sur ces vidéos Enfin bon, bref, n'importe quoi. Bon bref, le, le rythme c'est euh, une de mes marottes. Voilà, je mets cinq minutes pour le dire, donc on est déjà, on est mal parti. <laughs> Et j'ai fait, euh, fait, beaucoup d'essais en la matière. Euh, parfois j'ai fait des, heureusement, ben, j'ai fait des essais concluants, des parties vraiment rythmées où il se passe beaucoup de choses, euh, sans pour autant que les on soit euh, emmené de force, tu vois, dans un train lancé à toute vapeur, quoi. Euh, donc, je te renvoie à la vidéo sur, sur les parties courtes. Et euh, bon, j'ai eu aussi euh, des, euh, des échecs. Hein, euh, euh, par exemple, euh, j'avais établi un ratio de 1 sur 5. C'est-à-dire qu'on devait, si, en c'était une partie qui dure 5 heures, sur les 5 heures, il faut pas plus d'une heure consacrée euh, au briefing, au départ, quoi. Et bon, bah, évidemment, si tu fais une partie de 2h30, euh, ça veut dire qu'il faut pas plus d'une demi-heure consacrée au briefing. Euh, bon, bah ça, euh, le, le problème, c'est que des fois, j'ai pas toujours réussi à tenir, en fait, ce, ce ratio vertueux. En plus, des fois, même aujourd'hui, j'ai tendance à penser que, que 1 sur 5, en fait, c'est même trop long. Enfin, c'est-à-dire que. Euh, si on pouvait être plutôt sur un sur dix quoi, un dixième du temps passé, tu vois, à, à lancer la partie quoi. Et donc du coup 9 dixièmes à jouer parce que tu sais je fais plus de débriefing. Donc euh, j'aurais je, je, tendance à, à dire que neuf, voilà, neuf dixièmes du temps à jouer, un dixième au début à introduire, à expliquer et tout, ce serait l'idéal. Mais en fait bon, ce sont des idéaux que je n'arrive pas toujours à tenir quoi. Euh, où j'ai fait des fois j'ai fait des trucs euh, vraiment expérimentaux, c'est-à-dire j'ai fait des parties euh, minutées pomodoro. Je mettrai la technique. Euh, euh, bon bah pff. autant euh, je, je, moi j'utilise pas mal la méthode pomodoro quand je travaille. C'est vrai que ça me permet de me cadrer et tout. Euh, je fais euh, à la maison je fais 50 minutes euh, de travail sur l'ordinateur, un quart d'heure de pause où je fais du ménage où je fais autre chose. Euh, et ça c'est pour moi ça fonctionne. Euh, vraiment bien, à condition de pas le faire euh, toute ta vie, hein, parce que sinon... Euh euh, c'est déjà, en fait, je pense qu'il faut pas le faire quand tu es, quand tu es avec des gens en famille et tout. Euh, je te dis parce que je l'ai fait et euh, je m'en suis voulu de le faire parce que c'est, euh, tu devrais pas voilà, chronométrer le temps que tu passes euh, avec, quand t'es en présence de ta famille ou de tes proches et tout. Mais quand t'es tout seul à la maison, au bureau et tout, euh, ce 50, 50 minutes, 15 minutes. Ça, ça, ça fonctionne vraiment très, très bien. Euh, et donc j'ai voulu le faire en, en jeu de rôle, ouais, ouais, ouais. Euh, C'est-à-dire que grosso modo, euh, à une époque, euh, j'étais, c'est quelquefois, on jouait, voilà, on jouait 50 minutes et euh, je décrétais une pause de 10 minutes, un quart d'heure. Et en fait, euh, baguette, c'était trop long, en fait. C'était beaucoup trop long ces pauses-là. En fait, euh, la, la plupart des joueurs euh, veulent pas faire une pause toutes les 1 heure, quoi. Euh, surtout en présentiel, enfin, c'est ce que j'ai constaté, quoi. Euh, finalement les gens sont quand même souvent à fond dedans et tout, et donc, euh... mais ceci dit, euh, en, en distanciel ça marche un peu mieux, après il ne faut pas faire des pauses d'un quart d'heure, c'est pareil, un quart d'heure c'est trop long, 5-10 minutes euh, c'est bien, quoi. mais en distanciel on a refait ce truc de faire une pause par heure et euh, souvent ça marche bien et puis euh, je l'ai refait en présentiel de faire des pauses euh, quasiment euh, une, une par heure voire une par, tous les trois quarts d'heure quand personnellement j'étais euh, euh, un bon mal faut vous dire les choses quoi et des fois tu maîtrises et puis tu es un peu éclaté quoi pour x raison quoi et là quand c'était comme ça que j'étais en difficulté euh, ou que le cadre, euh, tu vois, genre convention brillante, des choses comme ça, que le cadre était un petit peu, euh, un petit peu dur, quoi. Et eh ben, euh, je l'ai refait de faire dire, bon bah là, c euh, écoutez, ça fait trois quarts d'heure qu'on joue. Je suis désolé, j'ai besoin de prendre une pause. On prend une pause d'un quart d'heure. Euh, je vais me chercher un café, n'importe quoi. Plus de café. <laughs> voilà. J'étais souvent dans le mal parce que j'avais bu trop, déjà trop de café. Et ça, c'est vrai qu'il faut le faire aussi, quoi, hein, même, même en présentiel. Bon, voilà, bon ben, je, je m'étale sur mes, mes réussites, mes échecs, mais vous voyez, bon, c'est un le bilan et nuancé. Euh... Donc voilà. Euh... Donc c'est un le, le rythme, c'est un, un sujet qui m'intéresse et tout. Donc me m'estime, on va dire d'une certaine façon, assez, assez légitime sur ce sujet-là. Euh... Bon, la démocratie, bah, la démocratie, bien sûr, je trouve ça bien, euh, et même en jeu de rôle, enfin, bon... Euh, et on voit quand même que l'horizontalité des pratiques euh, est de plus en plus à la mode. Quelque part, je pense que c'est une bonne chose. Euh, et ça rejoint finalement notre envie aussi d'avoir un peu plus de démocratie euh, dans la vraie vie, quoi. Donc, euh, à nouveau, il n'y a, y a pas de problème avec le fait qu'il y ait la démocratie en jeu de rôle il n'y a pas de problème, mais tu vas voir qu'il y a quand même des problèmes. <laughs> euh, C'est-à-dire que la démocratie, euh, notamment par exemple la narration partagée, tu vois, en jeu de rôle, euh, ou euh, la co-décision d'éléments du contrat social, euh, la décision co les décisions collectives sur, sur des trucs, euh, des points méta du jeu, euh, ça, profite, euh, ça profite à la partie mais pas sur tous les aspects, et notamment, je pense que ça ne profite pas au rythme. Alors, je vais m'expliquer. En fait, bah, quelque part, euh, c'est malheureux à dire, mais je pense qu'un bon rythme, euh, c'est avant tout un chef d'orchestre. Alors, ceci dit, il euh, y a un signe gestuel que je vais vous apprendre, et qui... Enfin, il y a... Il y a, y, a, y a des... des c'est que il faut quand même laisser certains outils de, de de gestion du rythme et du temps de parole aussi entre les mains des joueuses. il euh, y a la carte son par exemple, c'est une carte que tu poses au milieu de la table et en fait si quelqu'un la touche c'est pour dire euh, bah là en fait il euh, y a quelqu'un la personne qui est en train de parler parle trop et, et on perd du temps. Généralement c'est les MJ hein, qui parlent trop quoi. Donc carte son, il euh, y a euh, ça en fait ça, ça veut dire euh, on tourne en rond quoi, on tourne en rond, passons à autre chose, donc ça en tant que, que joueur faites-le hein. euh, si votre si votre MJ parle trop ou si c'est un, un autre joueur qui parle trop, voilà le, le tourne en rond quoi. Et puis il euh, y a ça, ça c'est lapin, euh, euh, bah ça c'est pour demander le silence, euh, donc si quelqu'un fait ça euh, tous ceux qui voient font la même chose et à ce moment-là, oui. Mais non, je t'ai pas sonné. <laughs> à ce moment-là, euh, eh bien, euh, euh, bah on, on se, on, voilà, on, on se tait, quoi. On fait le silence. Et Ça permet souvent à quelqu'un qui voulait prendre la parole de pouvoir le faire, quoi. Euh, et puis, bon, bah, évidemment, il y a le, c'est bête à dire, hein, mais juste de lever son doigt pour prendre la prendre la parole. Euh... Et s'il y a plusieurs personnes qui vont prendre la parole, bah tu lèves deux doigts, trois doigts, et tout. Alors après, j'ai constaté que, généralement, les personnes qui lèvent le doigt se font littéralement bolosser par celles qui ne se privent pas de prendre la parole sans lever le doigt, quoi. Donc, euh, mais après, bon, heureusement, quand même, en jeu de rôle, on est quand même sur des petits groupes, en général. Donc, euh, c'est vrai que quand on est sur un groupe de 30, moi, je le vois un peu en GN, t'as des gens qui prennent la parole sans, le, sans lever le doigt, dans les briefings de GN, tu vois, les ateliers, et, et bon bah toi tu lèves le doigt, t'attends des fois deux minutes, cinq minutes, trois minutes, euh, dix minutes euh, bon, pour euh, avoir la parole alors que as, tu t'as levé le doigt et t'es es, es coupé par plein de gens qui parlent sans avoir levé le doigt. Mais euh, en jeu de rôle, bon bah c'est quand même, quand même beaucoup moins de monde, donc euh, ça, ça en théorie ça c'est censé marcher ce truc de lever le doigt. Ceci dit, voilà, donc euh, j'ai plaidé en ces, en ces, quand même ces éléments qui sont démocratiques. Euh, ceci dit, souvent, quand on parle du rythme, c'est quand même bien, en fait, bah, tout simplement d'avoir un, un chef d'orchestre, quoi. Un chef d'orchestre, et le, le chef d'orchestre, bah, c'est MJ, quoi. Entre guillemets, quoi. C'est une personne qui est là pour fixer les bornes, quoi. Et donc, euh, qui va notamment dire... Euh, bah, on a jusqu'à telle heure pour euh, fixer le contrat social, c'est ce fameux ratio de 1 sur 5. Euh, on finit à telle heure et tout, euh, ceci dit, quoi. Euh, bon, bah, en tant que MJ, euh, t'es là pour répondre aux questions des joueurs. Mais tu peux aussi rappeler que certaines infos, euh, sont pas utiles, quoi. Parce que par exemple, des fois, t'as des joueurs qui vont te poser plein de questions de l'or. Et là, des fois, c'est bien de leur dire, non mais on n'a pas le time pour ça. On me pose ces questions de l'or. Honnêtement, je vais pas t'expliquer maintenant, parce que pour le moment, c'est pas utile d'avoir ces éléments-là. On va avancer. On va avancer dans la fiction. Et quand vraiment les éléments de l'or, ils vont être utiles, je vais te les rappeler. Et s'ils sont pas utiles, je te les rappellerai jamais, quoi. Euh... Voilà et, euh, et ton rôle notamment au moment du contrat social, hein, c est, c est, c est, je trouve que peu hein. quand même vraiment le point critique, le début de la le fameux début de partie. Il euh, bah, y a un moment si les joueurs te bombardent de questions, et eh ben ton, ton rôle de MJ, c'est aussi dire stop les questions. Voilà, euh, on s'éparpille, vous posez trop de questions, ça sert à rien. C'est pareil, bon voilà, si quelqu'un interrompt la partie pour poser des questions de système, de mécanique, qui n'ont rien à voir avec la choucroute, euh, avec le truc qu'on est en train de gérer, bah, tu dis, euh, voilà, tu dis, bah non, désolé, mais euh, là, voilà, comment tu montes de dedans et tout, on verra ça au passage de niveau. Là, là on est dans une péripétie, c'est pas le moment. Quoi. Parce que voilà, en fait, sinon. Euh, Grosso modo, si tu si tu si c'est porte ouverte à toutes les questions, à toutes les intentions, à tous les commentaires, eh bien, on risque largement de s'éparpiller euh, et sur de pas de pas être dans la fiction, de pas être dans le jeu, quoi. Ouais désolé j'ai la voix comment j'ai j'ai la gueule de bois voilà j'ai la gueule de bois voilà au moment où vous savez tout je vais démonétiser de dire ça mais de bon, toute façon je suis pas monétisé donc euh, voilà je m'en fiche <laughs> euh, voilà Et euh donc voilà, la question du temps elle est cruciale, et notamment dans le jeu en ligne. Euh, parce que moi personnellement, le jeu en ligne, si mes créneaux sont courts, c'est un petit peu moins de 3 heures que je peux pas faire mieux. Mais bon, j'ai l'impression que même les même les personnes qui jouent en ligne euh, en soirée, par exemple, ont pas des créneaux plus longs, hein, parce que bon, voilà, euh, en général, on, on se connecte à 20h, euh, des fois 21h. Euh, bon, bah la plupart des gens... Euh, ils aimeraient bien que ça finisse à minuit ou plus tard, quoi. Donc, euh, et là aussi, du coup, euh, un rôle de MJ, ça peut être de, finalement, de, de décliner les propositions des joueurs. Moi, par exemple, si tu veux, assez bah, régulièrement, quand je maîtrise en ligne, il y a des joueurs qui vont me dire, ah bah, on va installer, on va se mettre sur Watch Together pour écouter une musique euh, en plus, ou alors, euh, le pire truc, c'est... Eh hey on fait un board miro <laughs> Alors non, moi je dis non. Je, je, je dis non parce que voilà, c'est on commence à lancer un board miro, puis après a la technique. Comment Ah oui, bah machin, faut que tu te crées un compte. Ah oh, puis tu déplaces des éléments. Attendez, je m'achin. Oh là là, non, 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 non. Euh, voilà, euh, un bon chat textuel sur Discord pour prendre des notes, ça suffit quoi. Euh, parce que j'ai vu des parties, en fait la moitié du temps de la partie, c'était mettre à jour le board miro, quoi. Et comment vous dire C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. <laughs> voilà. Euh... <laughs> Je l'ai dit. <laughs> Donc euh également il y a cette, cette idée de euh, de faire participer les joueurs à des décisions qui concernent euh, la partie que ce soit le choix du jeu le choix d'un mode du jeu on va utiliser telle variante de règles euh, ah bah il euh, y a un jeu mais en fait il y a plusieurs univers dedans qu'est-ce qu'on choisit comme univers et évidemment aussi les choix fictionnels bon voilà le, euh, le bon bah qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites comme personnage euh, 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 qu'est-ce que qu'est-ce qu que font les personnages Qu'est-ce que décident les personnages Il ben, y a plein de moments, il euh, y a plein de moments en fait où euh, on, propo on propose des choix aux joueurs, et en fait, eh ben il faut pas proposer trop de choix en fait, euh, parce que euh, vraiment le moment où toute la table doit se mettre d'accord sur une décision commune, donc c'est surtout 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 euh, voilà, des choix entre guillemets collectifs. Bah, c'est très chronophage. C'est très chronophage, donc bien sûr qu'il faut des choix, euh, que ce soit dans la fiction, bah, pour respecter la liberté d'action des personnages, et parce que voilà, une partie de jeu de rôle, il n'y a pas de choix pour les personnages... Bon, euh, bah, j'ai fait une vidéo, je crois, hein, pourquoi le dirigisme, c'est le bien, il en faut du dirigisme, mais bon, euh, fin, il faut aussi quand même... Euh, évidemment, il faut des choix, mais, euh, et pareil, euh, c'est normal de faire participer les joueurs au choix de, au choix méta le choix du jeu le choix de certaines certaines choses et tout mais tu limites voilà c'est grosso modo je sais pas tu tu dis bon j'ai une partie de trois heures il va y avoir je sais pas 10, 15 choix collectifs pas plus peut-être même moins quoi euh, enfin je dis un chiffre un peu au hasard comme mais c'est t'as l'idée globale quoi c'est chaque choix c'est une perte de temps dis-toi qu'un choix ça peut ça peut friser la table pendant 5, dix minutes, des fois, sur certains choix, un quart d'heure, quoi, hein. euh, donc, voilà, tu limites les choix, et quitte à prendre cette décision à la volée, quoi, si tu dis, tu commences à jouer, et puis au bout d'un moment, tu dis, ouais, ok, j'ai le sentiment qu'on a déjà passé trois quarts d'heure à faire des choix, bon, bah, à la fin de la partie, tu, moins, tu, à, tu arrêtes les choix, quoi. Euh, donc des fois, voilà, vaut mieux dire, euh, voilà, je choisis le jeu, je le propose, je choisis le mode de jeu, voilà, euh, la, la variante, euh, je choisis l'univers, enfin le scénario, tout ça, et, et puis voilà, quoi, tu fais, tu fais des choix, et puis tu, tu, tu y proposes, et, et ça va quand même beaucoup plus vite. Il euh, y a aussi euh, faire beaucoup de choix. Quelque part, ça. Ça pose des enjeux cognitifs euh, des fois insolubles. Hein. Il y a la fameuse phrase euh, de KF qui est :« Nous ne sommes pas infiniment paramétrables. Euh, » bah, Voilà que je trouve que je trouve assez vrai. Euh, donc, euh, comme on n'est pas infiniment paramétrable, ça sert à rien de paramétrer tout un tas de choses euh, parce qu'au bout d'un moment, de toute façon, dans les, les joueurs ne vont même pas à se rappeler de toutes leurs options et tout quoi et euh, finalement tu facilites pas la vie du groupe en proposant plein de, de boutons à actionner, plein de choix à faire, quoi. ça va juste compliquer la vie de tout le monde quoi. Quand il y a des votes, des choix, et une partie de ces votes aussi tu peux les faire faire en avance dans un chat textuel, je sais pas quoi, tu fais un sondage euh, avec des smileys, enfin, et euh, pareil tous les choix que tu peux faire en avance de la partie en textuel ça fait quand même gagner beaucoup de temps euh, au final pendant la partie, quoi. Alors, il euh, y a la question du jouer sans, sans MJ, parce que voilà, j'ai quand même beaucoup parlé du jeu avec MJ, mais bien sûr qu'on peut jouer sans MJ et aussi avoir cette notion d'un rythme euh, un petit peu soutenu. Euh, alors, euh, mais du coup, pas n'importe quelle façon de jouer sans MJ, quoi. C'est-à-dire que... Généralement, le jeu sans MJ, on est vraiment sûr, on négocie tout, euh, et du coup beaucoup de choix collectifs à faire, beaucoup de négociations. Et euh, bah en fait ça, je pense qu'on peut l'éviter quoi. Euh, C'est-à-dire que par exemple, euh, t'as un jeu de un jeu sans MJ comme Les Santes, c'est qu'il est, il est en solipsisme. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah en fait les conceptions que les personnages ont du lore leur sont propres et peuvent être contradictoires les unes envers les autres ça ne pose pas de soucis et tout euh, donc ça voilà ça ça déjà c'est plus fluide parce qu'on n'a pas de concertation à faire sur le lore euh, tu peux aussi jouer faire du jeu sans MZ en ce que j'appelle énoncer accepter énoncer accepter qu'est-ce que ça veut dire eh ben ça veut dire que euh, euh, bah tu tu, tu, tu décrètes qu'un élève... Ah bah, là euh, euh, comment euh, là en haut de la forêt il bah, y a un château où euh, ah bah mon personnage euh, euh, voilà mon personnage te, te transperce d'un coup d'épée ou enfin tu y a, dans euh, en fait dans cette au cette auberge c'est ton frère qui la tient quoi voilà, tu vois et, et les autres tout, les autres en fait euh, sans valide mais sans maudire quoi c'est en fait dès que quelqu'un dit quelque chose on considère que c'est vrai sauf vraiment problème de sécurité émotionnelle auquel cas voilà carte X et tout mais euh, si ça pose pas de sécurité émotionnelle quand quelqu'un dit quelque chose c'est validé d'emblée sans négociation sans concertation euh, et éventuellement juste euh, mm -hmm, tu vois enfin une validation euh, une validation muette quoi et, euh, et ça c'est euh, bah, ça permet vraiment d'avoir les choses beaucoup plus fluides parce que des fois en jeu sans MJ euh, eh ben, on est un peu dans une ambiance. Ah, oh, j'ai envie, euh, j'ai envie que il euh, y a un château en haut de la forêt. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes d'accord Oui, non et tout. Voilà, bon, on n'aura qu'à dire que bon, là, je pense que ça peut être intéressant que mon personnage blesse le tien. Est-ce que tu penses que c'est ok euh, Et ainsi de suite. Ah bah ben, je verrai bien que la coupable c'est la petite vieille et tout. Et, euh, et bon là, mon visionne sont pas bien parce que t'as encore l'impression que c'est rapide. J'ai vraiment vu des parties sans MJ. Euh, et je peux être coupable si tu veux aussi, hein, où on passe vraiment vraiment beaucoup de temps à négocier ensemble la fiction et tout. Et des fois, enfin, euh, des fois en plus ça sert à rien parce que les gens en fait sont d'accord et donc du coup t'as perdu du temps à demander la permission alors qu'en fait les gens étaient d'accord. Euh, ou des fois, au contraire, ça fait que ça, ça rajoute euh, de l'embrouille à minier, parce que du coup, en fait, les gens, ils seraient d'accord si tu leur avais pas demandé, mais maintenant que tu leur demandes, ils disent « Ah, bah, je sais pas. Euh, » Parce qu'en fait, je sais pas, il doit y avoir un réflexe humain. Alors attention, psychologie de comptoir, qui est que... Par défaut, tu peux ne pas avoir d'avis ou être d'accord par défaut, mais si on te demande ton avis tu sens comme une obligation sociale d'en avoir un enfin et du coup de si si euh, des fois euh, il y en a euh, le simple fait qu'on te demande si t'es d'accord pour un truc et surtout si on le fait de façon tu vois assez bienveillante et tout euh, dans, dans un mode vraiment de discussion ouverte et eh ben les personnes euh, finalement vont euh, vont se mettre à effectivement dire ah bah maintenant que tu me le dis euh, moi, je voyais plutôt les choses comme ça et tout. En fait, les gens vont se mettre à pas être d'accord juste parce que tu, tu, leur as demandé leur avis. Les gens vont se mettent à brainstormer, à proposer des propositions, tout ça, machin. Et euh, en fait, si on n'avait pas demandé l'avis, si on avait imposé le truc. Euh, bah tout le monde aurait été ok puis ça roulait quoi mais le simple fait que tu demandes leur avis aux gens euh, ben bah, tout d'un coup ça part en brainstorm de une demi-heure et tout et euh, ben bah, ça pose des problèmes cognitifs ça et puis surtout euh, ça pose des, ça pose des problèmes d'immersion évidemment ça c'est important de le dire aussi quoi euh, c'est quoi là on sort de l'immersion euh, et puis euh, et puis on perd on perd un temps de fou quoi pour des, des concertations qui sont pas assez importantes. Ouais, il vaut mieux qu'on avance dans la fiction quoi. Euh, pareil, euh, ces fameux jeux sans MJ et faire des jeux sans MJ avec un univers euh, euh, très simple et, et surtout surtout pas de world building au début de la partie ou alors vraiment chronométré à la rigueur quoi. Mais ce truc, c'est partie de jeu sans MJ, ou, ou narration partagée, enfin comme tu veux, quoi, où on commence par une heure de, ah oui, on va négocier la fiction, machin, ah bah ben, on a qu'à dire que là, il y a une montagne, tu sais, que, pro il y a un PNJ, as, tu passes une heure à créer 15 000 PNJ, 15 000 lieux, 15 000 intrigues qui au final ne servent à rien durant la partie. Non, je, je, je n'en peux plus, oui, voilà, ça y est, j <laughs> je sais pas, si c'est la crise de la quarantaine ou quoi, mais euh, voilà, inaf. Enfin, je, on fait ça le moins possible, d'accord. <laughs> bon, donc euh, voilà, la recherche du consensus c'est bien, mais ça prend du temps et donc par moment c'est 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 quand même idéal qu'on peut limiter ça. Euh, et quelque part, dis-toi que T'as fait une proposition de partie, tu vois, en donnant les paramètres, en disant on va jouer à tel jeu, ça va être telle ambiance, tel système, machin, euh, tel scénario, euh, telle durée. Enfin, tu vois. Et, et en fait, si les gens ils ont, ils ont ils ont ils ont signé, ils ont dit ok, tu nous as expliqué tout le contrat social, toi euh, tu nous as envoyé un mail euh, pour nous dire voilà le contrat social, la partie c'est ça. Et les gens en fait ils ont dit euh, c'est ok ils sont dans la partie, bah, la démocratie elle a déjà fait son office en fait. Tu as déjà fait de la démocratie et euh, en fait ça peut suffire, tu vois ce que je veux dire quoi. Euh, si tu as si tu as été suffisamment transparent voilà dans le dispositif, tu as suffisamment expliqué euh, en avance, enfin expliqué tu de façon un peu unilatérale, c'est-à-dire voilà, un message sur Discord, euh, un texte, euh, un petit placard de je sais pas moi, je sais pas le, le quel taille ça devrait faire cette présentation mais euh, bah tiens, je te mettrai un petit... Euh, je te mettrai un petit... Euh, une petite description de... Moi, mes descriptions de partie qu'est-ce que je mets comme info, quoi. C'est valable pour du one-shot, mais... Euh, je, mettrai, je te mettrai peut-être aussi ce que je fais pour de la campagne, c'est un petit peu plus long. Mais bon, en fait, quand les gens, ils ont validé ça, on devrait se dire c'est bon, ça roule. Maintenant, on démoule de la fiction, si tu me permets. Voilà. Euh, bon, bah j'espère que je, je n'ai pas, pas définitivement passé pour un vieux Réac. Euh, en plus, on va sortir un podcast aussi, un peu sur ces sujets-là, euh, où je râle un petit peu et tout. Euh, j'espère que tu as compris que je ne suis pas un... Je ne suis pas un, un ennemi du peuple, <laughs> mais je voulais un petit peu remettre euh, l'église au milieu du village, la charrie devant les bœufs, et euh, les points sur les i. Allez, euh, je te fais des gros bisous si bien sûr euh, tu es démocratiquement d'accord avec ça. Salut